Bonjour tout le monde, c'est Ti. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la suite de Supermarket Simulator. Alors, j'ai écouté vos conseils, enfin j'ai regardé vos commentaires, pardon. De vendredi. J'ai dit pas de bêtises, oui. Donc, allez, vous êtes contents pour les cartons, hein, ils sont bien rangés. Oh, comme ça se fait tomber ça. Ils sont bien rangés, voilà. Nickel. Et vous savez que j'ai eu un shiny avec 4 qu'on n'a pas remarqué. On l'a vu remarquer, il y a quelqu'un qui avait acheté 4 mayonnaises. Ouais, vous voyez, il manque 4 ketchup. Alors que le truc il est plein, je sais pas pourquoi. Ça me fait un carton en plus. Je vais mettre là. On m'a fait la remarque pour les livres, c'est vrai que c'est plus logique que les livres soient la horizontale et pas la verticale. C'est beaucoup plus logique. Du coup, je les ai mis comme ça. Voilà, ils sont très beaux. J'ai fait tout le restockage, ça m'a coûté une blinde, je vais pas vous mentir. Et il manque un soda noir en haut. Il manque un soda noir en haut. Hop. Mais bon, on a un peu d'argent. J'ai dû virer les restockers parce qu'ils me saoulaient. Ils me saoulaient tellement à casser. J'achetais des trucs, mais en fait, ils les avaient dans leurs mains. Ouais, c'était énervant, mais d'une force. Et du coup, alors là, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On a deux licences. Ah, moi j'étais parti sur la licence produits nettoyants nourriture pour chat et chien, mais ce serait plus logique d'acheter celle-là. Kit vaisselle citron, pastille, lave-vaisselle, adoucissant. Ouais, c'est plus logique d'acheter celle-là. Et on va en acheter une de chaque pour voir c'est quoi comme genre de boîte. Encore un shit. Ok. Alors, adoucissant. Souplesse. L'adoucissant. On va le diviser. Je pense que le mieux, c'est de le diviser. On va essayer. Et voir ce que ça donne. Faut faire ça vite. Hop. Hop. Ok. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. On va ranger l'adoucissant. À chaque fois, j'appuie sur gauche pour ranger, mais. Comme si j'avais prévu le truc, quoi. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est le liquide vaisselle. Le liquide vaisselle, on peut le mettre ici. Donc on va le mettre là. Attendez. Avant tout, le prix. 9,52. On va le mettre à 9,80. 9,80, c'est pas mal. 9,80. L'adoucissant. Non, le liquide vaisselle. Alors, on va prendre ça. Et puis, on va... Alors, je pense qu'il n'y a pas spécialement de... comment ça s'appelle. De poids, donc ils doivent être pareils à peu près. 9,10 quand même. On va mettre à 9,40. Voilà. Puis on va enlever celui-là. Tant qu'à faire. Hop. Et on va ranger. Ok. Adoucissant. Il est où? Il est là. Enfin le truc là. Ouais, celui-là, je vais l'enlever pour mettre le nouveau. Le nouveau savon. Ah bah non, attends. Enfin, je vais enlever ça et ça. Et je vais prendre... 1, 2, 3... Voilà.
Donc ça, on le met là. Donc là, ok, c'est tout beau. Petite suite, on va voir après, on va déjà ranger ça. Tac. Tac. Le coca. Ah mais non, c'était le coca noir qui... Non. C'était le soda noir qu'il me fallait, c'est-à-dire celui-là. Oui, les frais de port, oui. Donc ça, ok. Ça, là. Ah oui, tiens, j'ai un morceau de viande qui reste. Hop. Ok, il me reste donc deux cartons, un cheat sheet et ça. Alors, on va les mettre et on va chercher. Donc le cheat sheet. Et... Ok. Je crois que je vais pas avoir le choix de faire un truc. Ah mais attends, il y a là aussi. Il y a ici. Il y a ici. Alors, attends, c'est quoi? C'est un nettoyant ça encore? Alors je pense qu'on va mettre pour... Mais ça va faire un puits. Ouais. Je pense qu'on va faire ça. Casse-toi, casse-toi. Va-t'en. Que ça ressemble quand même au savon, on va dire. Compte là, attends. Par contre là, après je vois pas du tout ce que je pourrais y faire parce qu'il faudrait mettre le pchit là, donc tout décaler par là. Mais il y aura ça. Je vais voir comment c'est en boîte. Alors le mieux. Je pense que le mieux, ce serait un truc dans ce style-là. Tac. Ok. Ce serait un truc dans ce...
ce genre-là. Que ça, on va le décaler. Donc c'est ces boîtes-là. Ça, on le décale. Comme ça, désolé pour la moto si vous l'entendez. Le petit tweet, on le met en haut. Et ça, on le met en bas. Ça fait une colonne verte. On va en acheter deux autres. Et un, même plusieurs. Trois. Tac, 1, 2, 3, voilà. Alors, mettre l'eau. Ça. Ok. Donc il faut un petit de verre. Neuf vingt-deux, on va le mettre à 9,50. Et ça, on va le mettre à 12,60. Tout le reste c'est ok. Donc là, on est bon. Ça, alors ça, faut que je lui trouve une place. Faut que je lui trouve une place. Ça va être difficile là, par contre. Ouais. Quoi? Pourquoi j'ai autant de petites chutes bleues? Ok. Peut-être enlever ça aussi après pour... Ouais. Ça c'est quoi? Un petit chute. Ok. Ensuite... C'est pas celui-là, c'est celui-là. Bah non, ça c'est une étagère. C'est ça. Ouais, le rose au-dessus. Ok. C'est pas mal, je pense. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Donc on a une nouvelle licence pour du ménager. Je ne sais pas quoi mettre là. Pour l'instant, je vais y réfléchir. À chaque fois, vous voyez que je comble les trous, donc n'ayez pas peur. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Je ne sais pas encore. Ils sont beaux.
très beau. Bah écoutez, hop, j'ai payé mes factures ou pas? Alors, tout est payé. Eh ben, j'ai envie de dire, on va vérifier les prix au cas où. Ok. Bah écoutez, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Est-ce que vous pensez que le lait, je devrais en mettre que sur un truc? Je sais pas. C'est pareil pour les... Non, les patates, ça va pas trop vite. Ouais. J'avoue que ce genre de d'étagère, ça me plaît, moi. Par deux, ça me plaît. En fait. Dites-moi en commentaire, moi je serais tenté à mettre genre ce sucre en haut, le brun en bas, ça en haut, ça en bas. Ce qui ferait que ça arriverait ici. Et là, je mettrais le daron ici. Donc je gagnerais une étagère. Je pensais pas que ça serait plus simple, plus cool. Pareil, l'huile d'olive, je la vois bien en deux maintenant. Pareil pour le riz. Pareil pour les... Non, les pâtes, non. Le pain, non. Le café, non. Le thé, c'est fait. Les gâteaux, c'est nickel, honnêtement. Ça, c'est bon. Les céréales, non. Céréales, ça part trop vite. Bon, le soda, on n'y revient pas, hein. Franchement, ça, cette partie-là, je l'adore. J'ai pas encore vos ressentis. J'espère que vous allez aimer. Comment ça se fait? J'ai plus de mémolette dans le... Parce que là... Ah bah non, il y en avait deux qui manquaient. Je croyais qu'il en manquait beaucoup plus. Hop. Madame, bonjour. Vous savez, il y a eu un shiny que j'avais même pas fait gaffe. Quelqu'un qui avait acheté 4 pots de mayonnaise, donc. 19-20. Tout ce qui est viande là, c'est parfait, je trouve. Ça, c'est parfait aussi. Là, c'est parfait. Le thon, peut-être penser à le mettre avec ça. Je sais pas encore. Alors, hop, ouais, c'est parfait. Ouais, le thon, ouais. Là c'est parfait, j'aime beaucoup cet endroit aussi. Ça je sais pas, j'ai envie de les mettre à la verticale, enfin à l'horizontale. Là je sais pas encore. La farine non, faut que je la laisse comme ça. Parce que c'est très demandé. Le papier toilette, je me tâte quand même. Hein. En 39,60 s'il vous plaît. Oh, 1396. Et monsieur, bonjour. Hop, 13,50. J'ai l'impression qu'il a pas payé bien cher. 13,50, je sais plus ce qu'il a pris. Je rêve qu'il a pas payé bien cher. Oh, je sais plus. Ça là. La javel, je pense que je vais la laisser comme ça aussi. Donc la prochaine fois, c'est le rayon animalerie. Mais je sais toujours pas comment le faire. $152,95, s'il vous plaît. Merci. Allez, dépêchez-vous. Ça va Simon? Pour moi demain c'est le week-end. Pouvoir me reposer un petit peu. Je vais faire un peu et je vais faire des vidéos. Pas si tu savais, je commence YouTube. Enfin ça fait quand même un an et demi que je suis dessus. Ah, t'es pas abonné à ma chaîne? Bon, mon contenu il est gratuit. Donc un petit abonnement, un petit like, ce serait sympa.
Et bonjour. Il y a une remise de 5% si vous êtes abonné à ma chaîne, monsieur. Non? Ah d'accord, ok. Madame, bonjour. Ok. Ouais, non, c'est good. Mais j'aimerais bien qu'ils mettent, que je puisse mettre des écritures sur les casquettes. Et j'aimerais bien aussi mettre des panneaux promotion ou... Attendez. Ah non, c'est du... J'ai cru que c'était la pub. J'ai cru que j'avais un chamois là. Pas du tout. Mais passe. Attends, il n'y a pas eu de chamois, on est d'accord? Non. 12,90. 12, 50, 60, 70, 80, 90. Tenez. Monsieur, bonjour. Je suis en train de regarder à chaque fois maintenant si j'ai un chenille ou pas. Et tenez, hop, j'arrive monsieur, je vais allumer la lumière parce que Simon et Marc ne savent toujours pas le faire. Ah, quelle galanterie monsieur. Pour une alcoolique en plus. Non, 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 je ne juge pas, je ne juge pas. Trois bouteilles de vin et trois bouteilles de whisky, ça se mélange pas madame. Hop. 31$ pour vous. Madame, bonsoir. Oh, des chocolats, ça faisait longtemps que j'en ai pas eu, tiens donc. Et on est à 39,50. Ouais, donc je te disais, Simon, que j'allais faire quelques petites vidéos ce week-end. On va avoir un peu de Lumberjack, on va avoir aussi My Supermarket, qui est un peu plus complexe. Tu devrais passer, Simon. Tu devrais passer. Attends, il a pris combien de beurre là? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ok. J'ai trop envie de mon shiny, moi. Monsieur, bonsoir. Oh, 200. Attends. Ah oui, il m'a donné 200. Je croyais que le compte, ça faisait 11€. À 10. Hop, tenez. Oui, bientôt 74. Bientôt, bientôt. On est bon là? On est tout bon. Ok, toi t'as pas de shiny. Toi t'as pas de shiny. Monsieur. 4,90. Et je le rappelle, si... j'attends la mage des devs, du dev, pour rajouter des lumières. Est-ce que je peux te prendre ton carton? Non. Dommage. Ma caisse est vide, monsieur. Ok. Vous savez que avant de commencer la vidéo, donc j'ai rangé les livres, il n'y avait aucun restocker, j'avais tout vidé. Et j'ai rangé quelques affaires pour récupérer des cartons. Et après j'ai réembauché les restockers. Il leur a fallu 20 minutes pour ranger tout le magasin. 20 minutes. C'est énorme. Alors quand on me dit ouais tu fais des économies via un restocker, non non non, non. J'en ai trop besoin. Waouh, 220,85. Voilà. Ouais, tu circules avec ta vieille voiture là? Fait trop de bruit là. C'est le dernier client? Attendez, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est caché? Non. 54 clients, tous contents. Ok. Alors, mayonnaise, poulet, pâte. Waouh, tout diminue. Mayonnaise, poulet, pâte. Mayonnaise, poulet, pâte. Mayonnaise, poulet, pâte.
Mayonnaise, poulet, pâte. Mayonnaise, poulet, pâte. Quelle pâte? Quelle pâte? Oh, bah, ils sont tous au même prix, je vais laisser comme ça. Ouais. Alors, je vais pas regarder ce qu'il y a dans le stockage. Il manque de la vodka. Je dis ça et je regarde ce qu'il y a. On va directement le lancer et puis on va voir si ça tient le coup. Allez. Dernière journée. Au boulot, boulot, plus vite, plus vite, plus vite. Une, deux, une, deux, une, deux. Hop, hop, hop. Tu es où là, toi? T'as quoi dans les mains? Ok. Bonjour, monsieur. Bonjour. Quand est-ce qu'elle est passée, la dame? J'ai pas dû faire attention. Et on va passer 74. Ah! 23, 55, tenez. Donc du coup, j'ai toujours ce petit truc qui m'embête. Où c'est que je mets mon rayon animaux? Hein? Qui c'est qui va me répondre? Où c'est que je le mets? Ah, j'ai envie d'agrandir pour pouvoir le mettre facilement, quoi. Et encore facilement, je sais pas où le mettre encore. 92-40, ma petite dame. Et c'est parfait, merci. Ah non, on va passer 74, ok. Est-ce que je sais pas. Fais voir, c'est quoi les autres licences après la. Ah, les factures. Alors, on a ça, ensuite 80 gâteau-gâteau, donc on va faire un rayon bonbon. Pâte à tartiner, canette, soda, je sais pas en quoi c'est, si c'est frigo ou pas. Bouteille d'eau, je pense que ça va être frigo, peut-être, je sais pas. Ah ouais, le rayon, ah la vache, le rayon entretien, le dentifrice, c'est hygiène, il va grave grandir. Le rayon livre, ça sera nickel. Ouais, il me faut un gros rayon bonbon et un gros rayon alcool, il faut que j'agrandisse. Je vais agrandir à 64 500. Il me faudrait quoi? Pas mal de jours. Requis section 15. Ah oui. Ouais. Je vais peut-être farmer genre 10-15 jours in-game. Vous voulez voir quand je farme? J'ai jamais posé la question en fait. C'est juste que je reste à la caisse, que je parle au client. Ah oui, je suis neuneu. Moi, en fait, j'ai pris l'habitude de parler aux clients quand ils viennent à la caisse. Alors, je parle même quand je n'enregistre pas. C'est inquiétant. Très inquiétant. Oh, ça a l'air pas mal ce petit panier. Il n'y a pas un plus 5 là? Non. 225, 430. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30. Tenez. Madame. 23, 10. Et monsieur, oula. Les uns sur les autres, c'est pas top. À 5 centimes. Ouais, agrandir, mais ça va agrandir là, donc ça va être le rayon congelé qui va être là, qui va avancer. S'il avance, est-ce que. Oh, ah non. Faut vraiment que je trouve un endroit pour les mettre, ces satanés trucs d'animaux là. Je sais pas du tout. Parce que là, j'avance. Hop. Attendez, je réfléchis. Dans mon Leclerc. Leclerc, tac tac, on rentre. Ici, on a les produits qui sont en promo. Tac tac tac. Attendez, laissez-moi parler. Je suis en pleine réflexion.
365, 70. Ok. Ok. Attends, non, il vient la madame. Et bonjour. Vous allez mélanger le ketchup avec la patate tartinée, madame? Je sais qu'aux États-Unis, ils font beurre des cacahuètes confiture. Mais ketchup, beurre des cacahuètes, je suis pas bien sûr, là, madame. Donc, on rentre. Hop, tac, tac. Là, on a les promos. Tac, tac, tac. Après, il y a l'allée principale qui est ici. Donc, on va dire que l'allée est ici. On avance. À droite, il y a des vêtements. À gauche aussi, les chaussures. On avance. On a l'hygiène dans l'hygiène personnelle. Et je crois que c'est en face des trucs hygiène là. Qu'il y a les trucs pour animaux. Je suis pas sûr. Ouais, en fait, ouais, c'est ça. Il y a le truc hygiène. Ensuite, il y a la parfumerie au fond. Enfin, à côté, vous savez, les deos. Et de l'autre côté des deos, il y a le rayon. Un rayon congèle avec les, le houmous et tout ça, là. Avec les poissons. Et en face. Sur la rangée d'à côté, le rayon d'à côté. 805, 5678. Il y a les trucs pour chiens et chats, pour animaux. Ok. Ça fait vêtements, enfants, vêtements. Attends, vêtements. Ensuite, trucs de bébé, donc ouais. Et ensuite, animaux. Et ensuite, ok. Le seul problème, c'est que j'ai pas de vêtements. J'ai pas de bébé. Donc, ouais, je sais pas le mettre. C'est compliqué. Bonjour, monsieur. Vous n'aurez pas une solution à mon problème par hasard? Non, vous parlez pas, hein. Vous m'aimez pas, vous non plus. 74, 74, 74. Ouais, puis regardez, ça tient bien. J'aime vraiment... Ah, oh, le gruyère, il fait un peu peur, là. Est-ce que j'en ai encore? Ouais, il fait un peu peur. Vraiment qu'un tout petit peu. En fait, je crois que je suis de nature très stressée, très angoissée. Je pense que je stresse un peu sur la capacité et puis la prise de produits. Dans le magasin quoi. 4 10 1 2 3 4 10 monsieur bonjour. Il n'y a pas de 4 monsieur. 41 50. Et on est 74. 40 40, c'est rigolo ça. 40 40. Et il y a encore du monde. Allez, ma petite dame. Je vais voir si Simon et Marc. Ouais. Et toi, Marc, est-ce que t'es abonné à ma chaîne? D'accord. Je crois qu'ils sont pas contents. Elle fait le plein là, madame la vache. J'aimerais bien voir ton panier à la fin. Tu viens ma caisse? Ok, merci, sympa. Trois et deux. Oh! Elle a pris les céréales pour mettre avec le lait. Enfin, le lait avec les céréales. Logique. En fait, on peut marcher n'importe où sur ce jeu.
Voyons voir le. Oh là, il manque. Ok. Donc ça. Oh là 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 là. On a été dévalisé. Oh là là. Oh, il n'y a même plus de ketchup, dis donc. Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Hop. Ah ouais, ah le dévalisage. Ah oui, un gros dévalisage là. Ok. Oui, je mettrai les lumières plus tard. Quand il y aura un patch. Allez. Combien? 167,75. Ok, bon, on a monté de niveau. 18 467. Je pense que je vais farmer un petit peu juste pour avoir la première extension et puis peut-être voir ce qu'on peut faire avec. On sait jamais, ça peut être utile. Honnêtement, pour réunir cette somme, je crois même que je vais peut-être être proche de la. Ah bah non, c'est à peu près 3-4 levels par. 3-4 journées par niveau de magasin, voire plus, ça dépend. Ouais. Ouais, bon, on verra. On verra. En tout cas, je suis assez content. Attendez, on va prendre le rayon photo comme ça. Voilà. Bah on va passer la journée juste pour voir. Un client trop cher, 198e jour, vous vous rendez compte. Total 5008, ok. Le riz. Hello Rice. C'est lequel? Ah bah c'est Ecopus, oui. Bon, on va mettre à 5. Voilà. Du coup, moi, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.